Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Alors attention, un petit tour destiné vraiment aux débutants, aux personnes qui n'ont jamais fait de magie mais qui voudraient faire un petit tour rapide à apprendre pour bluffer les amis ou la famille, uniquement avec un jeu de cartes. Vous allez voir, c'est totalement automatique, très simple à faire. Et pour ceux qui font déjà des tours de magie, qui ont des bases en cartomagie, qui manipulent, etc., ne sous-estimez pas ce genre de tour. L'astuce est vraiment très intelligente. C'est toujours bon à savoir, car ça peut dépanner parfois. Donc comme d'habitude, je vous fais la démo du tour. Et par la suite, ceux qui voudraient reproduire le tour, qui voudraient apprendre à le refaire, vous avez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et tout d'abord, avant de commencer, j'ai préparé ici une petite prédiction que j'ai mis et que j'ai écrit sur un petit bout de papier qu'on va laisser sur la table bien en vue. Et par la suite, dans un jeu de cartes avec des cartes toutes mélangées, hein, comme on peut bien le voir, le spectateur va choisir tout simplement un chiffre entre 5 et 10, peu importe. Donc là, je vais choisir pour lui, mais en réalité, vraiment, on prendra le nombre qu'il aura choisi. Donc imaginons qu'on prenne le 8, un exemple, et là, on va prendre le paquet qu'on n'a même pas coupé, hein, et on va compter 2, 4, 6, 8, et on va juste regarder sur quelle carte il s'est arrêté. Donc on va la mettre de côté juste ici. Et avant de la regarder, on va juste vérifier sur la prédiction ce que j'avais noté. Si on ouvre, on peut voir que j'ai noté clairement le 8 de carreau. Il n'y a rien à voir vraiment. On laisse juste en vue. Ça serait fort quand même que la seule carte que le spectateur a choisi, c'est bien le 8 de carreau, alors que toutes les cartes sont bien différentes et que le chiffre a été donné par lui. Et bien sûr, tout est laissé à l'examen, il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère au moins que cette petite vidéo vous aura plu. Alors bien entendu, là, je réalise le tour directement en vidéo, j'ai pas de spectateur, mais je peux vous assurer que ça se fait sur un spectateur, c'est lui qui cite le chiffre de son choix. D'ailleurs, pour ceux qui doutent, vous avez qu'à regarder la vidéo explicative et vous comprendrez l'astuce et le fonctionnement du tour. Donc voilà, c'est un tour automatique, destiné vraiment aux débutants. J'essaye de proposer du contenu un peu destiné à tous. Le but étant, c'est de donner envie aux gens qui regardent mes vidéos de se mettre à la magie, et non pas tout simplement juste voir des secrets librement. D'où le fait que maintenant, je coupe mes vidéos en deux. Donc voilà, si vous voulez apprendre ce tour, allez dans la description, vous avez le lien, ou sinon dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, si vous avez des questions à me poser. Et également, l'école de magie qui a fait peau neuve récemment, magiestreaming.fr. Vous pouvez également y avoir accès en tapant tutomagie.fr, ça marche aussi. Une école de magie 100% gratuite, où vous allez retrouver les bases de la cartomagie et de la magie des pièces, directement visionnable en streaming, sans aucune inscription. De plus, on vient de passer la barre des 32 000 abonnés récemment, donc déjà un grand merci. La semaine prochaine, il y aura sûrement un concours annoncé justement pour ce palier des 32 000 abonnés. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.